Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Louvre est le livre dans lequel nous apprenons à lire. La formule est très célèbre, elle provient d'une lettre de Paul Cézanne à Paul Bernard en 1905. Depuis deux siècles, cet apprentissage s'effectue non seulement à travers la fréquentation des milliers d'œuvres dans les centaines de salles du musée, mais également par la contemplation des longues et hautes façades du palais. Au milieu du XIXe siècle, où plus d'un tiers de la population française demeure analphabète, un ambitieux programme iconographique et politique revêt les façades du Louvre. On y retrouve un peu partout un motif surprenant. La mer. La mer, sous de multiples formes, comme en témoignent les titres de ces sculptures représentées ici, la navigation, bien sûr, la marine, la pêche, les découvertes maritimes. Nous avons compté au total 23 sculptures qui représentent, de manière discrète et omniprésente, l'un des principaux piliers de la puissance de la France et l'une des sources de sa prospérité. Cette omniprésence semble traduire une véritable navalisation du Louvre tout au long du XIXe siècle. Ces sculptures, on les devine sans les voir, en raison de leur localisation très en hauteur. Dans les années 1860, elles cessent d'orner les nouveaux bateaux de guerre pour se retrouver au cœur de la capitale française, précisément sur le Louvre, majestueusement amarrées sur les rives de la Seine. Ces sculptures font ainsi office de totem propitiatoire, exprimant une culture maritime vivace, aujourd'hui totalement oubliée. En effet, le Louvre se pare de ce décor maritime dans le contexte du renouveau de l'expansion commerciale et coloniale en deux temps, en 1857 et en 1868, qui marque le lancement puis l'achèvement de l'ambitieux programme naval de Napoléon III. La France parvient alors à conserver son rang de deuxième puissance maritime et coloniale derrière l'Angleterre. En outre, ce décor extérieur invite les visiteurs du Louvre à découvrir son musée de marine. Musée de marine fondé d'abord sous le nom de Musée Dauphin par l'ordonnance royale du 27 décembre 1827, alors qu'à peine deux mois auparavant, la France a remporté, de manière inattendue, aux côtés des Britanniques et des Russes, la bataille navale de Navarin sur la flotte ottomane. Toutefois, les 10 salles du musée naval n'ouvrent leurs portes au public qu'une décennie plus tard, en septembre 1837, au deuxième étage de l'aile nord de la cour carrée. Deuxième étage, moins prestigieux que le rez-de-chaussée, mais dont les conditions hygrométriques favorisent la conservation des modèles réduits de navires. L'enjeu politique est de taille. Ce musée de marine doit exalter la gloire navale française du XVIIIe siècle, avec laquelle la monarchie entend renouer dans les années 1820-1830. Il s'agit de conjurer l'effondrement de la marine de guerre au cours de la Révolution française et, bien entendu, les défaites napoléoniennes retentissantes d'Aboukir et de Trafalgar face aux Britanniques. Le musée est inauguré au moment même où la couronne souhaite reconstituer sa flotte de guerre et reprendre les grands voyages d'exploration. Alors, comment relater l'histoire de ce musée si singulier qui associe intimement conservation, monstration et instruction? Comment saisir
le fonctionnement de cette institution hybride qui traite de thématiques très variées. Histoire, science, exploration, biographie, technique, géographie, guerre, infrastructure. Et qui, pour ce faire, accueille des objets, des matériaux, des techniques et des œuvres d'une extrême diversité au cœur même de ce temple des beaux-arts. Comment appréhender cette institution atypique qui suscite un vif intérêt au sein du grand public et dans le même temps provoque la réprobation de ceux qui lui préfèrent les beaux-arts et l'archéologie classique. Je vais adopter ici une approche typologique des collections pour comprendre la fonction de ces œuvres apparemment très hétérogènes qui avaient pourtant toute leur place dans le Louvre du XVIIIe siècle. Débutons par un poème presque contemporain de l'ouverture au public du musée de marine. La mer, c'est le seigneur que misère ou bonheur, tout destin montre et nomme. Le vent, c'est le seigneur, l'astre, c'est le seigneur, le navire, c'est l'homme. Ces vers des contemplations de Victor Hugo paraissent aujourd'hui bien lointains. Ils expriment pourtant le caractère primordial de la mer au sein d'une grande partie des élites françaises. Ainsi, au Louvre, tout commence, ou presque, avec des modèles réduits de navires. En effet, ces maquettes, loin d'être des jouets pour enfants privilégiés, constituent le noyau originel du musée de marine inauguré au Louvre en 1827. À vrai dire, ces petits bateaux requièrent toute l'attention du gouvernement depuis la fin du XVIIe siècle. Car ces modèles réduits proviennent des arsenaux où sont conçues et construites les armes de guerre les plus redoutables de l'époque. À partir de 1679, une ordonnance de Colbert prescrit aux intendants des arsenaux de faire élaborer des modèles en petit, au 1/12e ou au 1/20e de chaque vaisseau de la flotte française. Il s'agit à l'origine de faire valider par l'administration royale le projet en trois dimensions de chaque navire avant de le mettre en chantier. Ce développement du modélisme d'arsenal traduit le mouvement de standardisation de la construction navale au XVIIIe siècle. Ces maquettes symbolisant l'émergence d'une véritable science navale qui permet à la France de rivaliser avec la Grande-Bretagne. En outre, ces nouveaux savoirs et savoir-faire contribuent à la formation des ingénieurs constructeurs qui suivent l'enseignement dispensé au sein de l'École de Paris, fondée en 1741 par Henri-Louis Duhamel du Monceau. C'est un inspecteur général de la marine qui constitue, en une vingtaine d'années, la plus importante collection de modèles réduits dans le monde. Cette nouvelle mode du modélisme s'empare des milieux aristocratiques qui collectionnent les maquettes, au point que cet engouement suscite des problèmes de main-d'œuvre dans les chantiers. En 1759, le constructeur Pic, officiant à Rochefort, constate, je cite, « que chacun veut avoir des modèles de vaisseaux ». La plupart des meilleurs ouvriers sont employés à ce travail inutile au roi et très coûteux. Les arsenaux semblent alors se muer en véritable théâtre d'opérette où on préfère miniaturiser les vaisseaux de la marine française plutôt que de renforcer effectivement la flotte de guerre. En 1748, Duhamel du Monceau cède au roi Louis XV sa collection de maquettes qui rejoint en 1752 le premier étage du Louvre, au-dessus des antiques. Cette salle de la marine se destine à l'édification des élèves ingénieurs. Elle accueille deux grandes tables colorées pour représenter l'eau de mer, et on peut y admirer une centaine de maquettes, dont le modèle de la galère La Réale, navire amiral sous Louis XIV, une galéasse vénitienne, deux chébecs des corsaires du Maghreb, ou encore des félouques et des caïques, caractéristiques de la Méditerranée orientale. Ces œuvres de la salle de la marine constituent ainsi la première collection artistique du Louvre à être accessible au-delà des cercles de la cour. L'école des ingénieurs quitte finalement le Louvre en 1793, mais les maquettes demeurent sur place, en dépit de la volonté du Muséum central des arts, fondé la même année, de s'en débarrasser. La salle de marine du Louvre ferme officiellement au profit d'un éphémère musée naval créé au ministère de la Marine en 1801-1803, et Napoléon, de son côté, conçoit ensuite une galerie de modèles de vaisseaux dans son palais du Trianon à Versailles.
Puis, sous la Restauration, les arsenaux des ports militaires, à Toulon, à Cherbourg, à Brest, à Lorient, à Rochefort, ouvrent chacun des salles d'exposition de modèles réduits. Il faut en fait attendre 1826 pour que le ministre de la Marine et des colonies, Christophe de Chabrol de Crouzol, décide de rassembler l'ensemble de ses collections dans un même endroit, au Louvre, dans un nouveau musée naval, afin, écrit-il, de faire mieux connaître et apprécier la marine. La nouvelle institution, inaugurée en décembre 1829, prend le nom de musée Dauphin, en raison de son patronage par le fils du roi, grand amiral de France. Ces maquettes doivent donner à voir un des principaux facteurs de modernisation de la planète, un facteur généralement invisibilisé dans les livres d'histoire, le bateau. L'amiral Paris, directeur du musée à la fin du XIXe siècle, affirme au sujet des navires des croisades et des grandes découvertes « Ce sont ces navires qui ont le plus contribué à l'émancipation générale des sociétés modernes, puisqu'ils ont ouvert à tous les courages et à toutes les intelligences le chemin de la fortune, qui était fermé à jamais par l'hérédité du système féodal. Les grands aventuriers n'auraient rien réalisé s'ils n'avaient eu des navires pour les porter, ainsi que des voiles pour les pousser. » Ce musée de marine est d'abord conçu comme un outil pédagogique. Il a pour vocation originelle d'instruire les officiers et de familiariser le public avec la construction navale. D'ailleurs, le ministère de la Marine dispose des salles et des collections 2 jours par semaine pour la formation de ses militaires et de ses ingénieurs. Les officiers de marine semblent fréquenter ce musée relativement assidûment sous la monarchie de Juillet et le Second Empire, puis paraissent le déserter sous la Troisième République. Parmi les chefs-d'œuvre de la collection figure ce navire, le Valmy, qui trône au milieu de la 8e salle. Lorsque le gouvernement met en chantier ce vaisseau en 1838, il passe parallèlement la commande de ce modèle à l'échelle 1/40e, réalisé par 6 ouvriers de l'arsenal de Brest pendant 5 ans. Il s'agit d'une imposante maquette de près de 3 mètres de longueur, de plus de 2 mètres de hauteur et d'un mètre de largeur. Une maquette gréée, armée et entourée d'une flottille qui se distingue dans l'histoire du modélisme par son extrême finesse d'exécution, son extraordinaire précision et la richesse des matériaux employés. Ivoire, argent, ébène, cuivre. Quant au bateau grandeur nature, il est achevé avec ses 120 canons très modernes en 1847. Le Valmy occupe lui aussi une place unique dans l'histoire de la marine. C'est le plus grand vaisseau de ligne jamais construit par un chantier naval français. En fait, immédiatement, le Valmy s'avère trop grand et trop lourd pour se déplacer aisément avec ses voiles par brise faible. Il est donc considéré comme un vaisseau manqué. Et cela ne l'empêche pas de devenir le navire amiral de la flotte française pendant la guerre de Crimée en 1853-1854. Le musée de marine dispose dès l'origine d'un atelier de construction et de réparation de ces modèles réduits, constitué d'un chef et de 11 ouvriers modélistes. Cet atelier parachève la dimension pratique d'un musée où il s'agit d'exposer concrètement la construction navale, ses modalités, ses outils, ses infrastructures et ses réalisations. Dès l'ouverture, ces maquettes sont entourées d'un véritable arsenal en miniature où les visiteurs découvrent d'innombrables gréements, des boiseries, des cordages, de la tonnellerie, des câbles, des pompes, etc. La clouterie expose ainsi une variété extraordinaire de clous, une 20aine de modèles différents avec des noms distincts et des usages spécifiques. Enfin, l'œuvre du temps sur ces modèles réduits finit elle-même par faire l'objet d'une mise en scène. En 1880, le directeur Edmond Paris décide de manière originale d'exposer le modèle non restauré du navire Le Bien-Aimé. Cette maquette du Bien-Aimé venait d'être restituée au Louvre en très mauvais état, après avoir été prêtée pendant 40 ans au peintre Théodore Gudin,
le premier peintre officiel de la marine. Le directeur du musée voulait ainsi donner à voir la fragilité de ces modèles réduits et les risques liés aux prêts et aux déplacements des œuvres. Outre les maquettes et les matériaux de construction, le nouveau musée comprend des plans en relief. Des plans en relief des grands ports français qui trônent majestueusement au centre de quatre salles différentes. Comme les vaisseaux à échelle réduite, les plans en relief étaient en fait présents au Louvre bien avant la création du Muséum central en 1793. Ces plans en relief sont des maquettes représentant en élévation et en échelle réduite des villes fortifiées, mais aussi parfois le territoire alentour, délimité précisément par la portée des tirs d'artillerie. La collection de plans en relief débute à partir de 1668 à l'initiative de Louvois. Le ministre de la guerre, qui passe commande à Vauban d'un plan en relief de Dunkerque, et ces maquettes servent à l'origine à guider les ingénieurs du roi dans les Flandres espagnoles, Flandres espagnoles qui ont été conquises à l'occasion de la guerre de dévolution qui vient de s'achever en 1668. Louvois fait ensuite édifier des fortifications afin de préserver les nouvelles frontières. Et la direction des plans en relief, fondée en 1686, s'emploie ensuite à entretenir et à enrichir cette nouvelle collection. Ces œuvres, entreposées aux Tuileries, sont réservées à l'usage exclusif du roi Louis XIV. Roi Louis XIV qui se déplace peu, travaille dans son cabinet et doit pouvoir commander à distance ses armées et ses villes fortifiées, qu'il peut, grâce à ses vues à vol d'oiseau, mieux embrasser d'un seul regard que s'il était sur place, précisément dans ses différentes villes fortifiées. À partir de 1700, le souverain déplace sa collection au Louvre, dans la galerie du bord de l'eau, conférant à ces artefacts le nouveau statut d'objet d'art répertorié, conservé et exposé. Bien que l'accès de la galerie soit interdit au public en raison du secret militaire, quelques aristocrates triés sur le volet peuvent la visiter et surtout y travailler. En fait, ces objets remplissent des fonctions contradictoires. Outils tactiques recelant des secrets d'État d'une part, et d'autre part, instruments de propagande mettant en scène de manière aussi précise que spectaculaire la puissance du royaume de France. Ainsi, le jeune roi Louis XV convie les grands de ce monde, le tsar de Russie Pierre le Grand en 1717, ou encore l'ambassadeur ottoman Mehmet Efendi en 1721, il les convie à admirer ces plans reliefs sans pouvoir les empêcher de récolter quelques précieuses informations. La galerie des plans en relief s'étend sur 450 mètres de long et 10 mètres de large. Les différentes maquettes y sont classées par province. Mais au milieu du XVIIIe siècle, ces œuvres ne suscitent plus autant l'intérêt de Louis XV et de son état-major. En 1774, on envisage même de les détruire pour faire de la place aux collections de peintures. Et 3 ans plus tard, on se décide à effectuer une brèche dans la galerie du Louvre pour déménager les 127 plans reliefs dans les combles de l'Hôtel National des Invalides où cette collection royale est encore aujourd'hui conservée au 4e étage au sein du Musée National des Plans Reliefs. Il faut dire que les ouvriers et les ingénieurs anciennement attachés au Louvre s'appliqueront ensuite pendant plus de 20 ans à réparer les nombreux dégâts causés par ce déménagement au forceps. Le nouveau musée de marine du Louvre s'inscrit donc dans cette tradition royale en exposant à partir de 1837 dans les premières salles du musée ces immenses plateaux représentant en 3 dimensions les plus grands ports militaires français. Le catalogue du musée explique non sans lyrisme que les visiteurs peuvent y découvrir au fond d'une des plus belles rades de l'univers, la ville de Toulon. Cette ancienne colonie romaine, plusieurs fois ravagée par les Arabes et les barbaresques. Les 2 plans-reliefs de Toulon magnifient tout particulièrement les fortifications de Vauban sous Louis XIV. Le guide rappelle en outre que la carrière extraordinaire de Bonaparte a précisément débuté ici, en 1793, dans la ville assiégée par les Anglais. Se trouvent à proximité les plans-reliefs de Brest, un des ports les plus sûrs de l'Europe. Nous dit-on, et de l'Orient, fondé par la Compagnie des Indes,
qui joua un rôle éminent dans la destinée asiatique de la France. Ces plans-reliefs ont été commandés par le ministère de la Marine et des Colonies et exécutés par un seul et même ingénieur, Pierre-Marie Toubouliq. Vous pouvez admirer à l'écran ce plan-relief de la ville de Rochefort, qu'il achève précisément en 1835. Cette œuvre, plus grande que les précédentes, avec un diamètre de 5 mètres, est la seule à être parvenue jusqu'à nous, car les autres ont été détruites par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Ce plan-relief est commencé en juillet 1833, in situ, à Rochefort, avant que Toubouliq et son équipe ne s'installent au Louvre entre mars 1834 et le printemps 1835. Il est composé de 9 tables en bois et une bande de carton peinte représentant les environs du port. 9 tables qui donnent à voir les détails de cette cité née en 1666 de l'implantation d'un arsenal maritime. Pour réaliser cette œuvre d'une extraordinaire minutie, Toubouliq procède ici comme ses prédécesseurs au XVIIIe siècle. Pendant près d'un an, l'ingénieur lève avec ses collaborateurs les données topographiques très détaillées de Rochefort en récoltant le maximum d'informations sur la taille des façades, le nombre des fenêtres, la surface des jardins et des champs, ainsi que les couleurs méticuleusement reproduites à l'aquarelle. Puis, pendant plus d'un an, son équipe confectionne la maquette. Des ébénistes échafaudent les tables en chêne massif qui forment l'armature, puis les menuisiers modeleurs élaborent le sol et les reliefs avec du bois et du sable, saupoudrés sur un lit de colle les immeubles et les maisons avec du carton et du bois léger de tilleul recouverts de papier peint à l'aquarelle. Ils découpent ensuite les fenêtres à l'emporte-pièce, collent les cheminées, plantent des arbres en tiges de métal et de soie et retracent les canaux et les cours d'eau avec des feuilles de plomb. Rochefort semble être l'un des derniers plans-reliefs réalisés en France, dont les ingénieurs abandonnent la construction après 1870, au moment où l'on s'accorde sur l'inefficacité des villes fortifiées dans la guerre dite moderne. Et le Louvre, dès 1895, transfère cette œuvre au musée d'art et d'histoire de Rochefort-sur-Mer. Alors pour comprendre l'importance et la force de ces plans-reliefs, art français par excellence, tombé totalement en désuétude ensuite, il faut écouter le journaliste Georges Montorgueil. La France, à l'abri de ses frontières naturelles passionnément conquises, y montre sa force calme et son visage pacifique. Je ne sais pas d'endroit où elle soit plus reconnaissable, dans son armure du passé, que dans ses uniques merveilles, à la fois lilliputiennes et gigantesques, amusantes comme des jouets, splendides comme des épopées. Il s'agissait bien de mettre la grandeur de la France à la portée de tous les visiteurs, saisis un instant du même sentiment d'omniscience que le roi de France. Alors à la suite de ces maquettes de vaisseaux et de ports militaires, au milieu d'un joyeux bazar, où s'accumulent les tableaux sur les murs et les objets à même le sol, les visiteurs du musée de marine tombent nez à nez avec un curieux monument se dressant au milieu de la salle numéro 6. Cet étrange obélisque qui hésite entre l'édifice funéraire d'hier et l'installation d'art contemporain d'aujourd'hui, il se dénomme la pyramide La Pérouse. En effet, cette colonne raconte aux visiteurs l'épopée funeste du grand explorateur qui a débuté en 1785 un tour du monde à bord de la boussole et de l'astrolabe, vaisseau porté disparu en 1788. La création du musée naval du Louvre intervient en fait au même moment que la découverte des épaves du naufrage de Jean-François de La Pérouse. Le navigateur et explorateur français a été successivement consacré par Louis XVI, qui se passionne pour son expédition, puis par les révolutionnaires, qui ont tenté en vain de retrouver ses traces, en lançant à sa recherche dès 1791 les deux corvettes d'Entrecasteaux,
magnifiquement dénommés la recherche et l'espérance. Comme nous le rappellent les historiens Arnaud Aurin, Jean-Luc Chappé et Antoine Lilti, la Pérouse incarne trois héritages de l'Ancien Régime. L'idéal d'une société ordonnée autour de figures glorieuses, d'abord. Le projet d'expansion impériale qui nourrit la rivalité avec l'Angleterre, ensuite. Et puis la science des Lumières, ainsi que son horizon cosmopolite. Et cette première pyramide du Louvre connaît en fait deux précédents édifiés outre-mer juste avant pour raconter l'épopée de la Pérouse et celle des expéditions lancées à sa suite. En effet, en 1825, Hyacinthe de Bougainville, le fils du grand Bougainville, érige un obélisque surplombant Botany Bay, la baie de Sydney en Australie, précisément à l'endroit où on perd la trace de la Pérouse. L'année suivante, en 1826, Peter Dillon, un négociant en bois de santal, retrouve par hasard les traces de la Pérouse. Il s'aperçoit que les habitants de Tikopia, une des îles de Santa Cruz, près du Vanuatu, possèdent de nombreux artefacts d'origine européenne. Une garde d'épées, des tasses, des couteaux, qui proviennent de l'île voisine de Vanikoro. Il est dès lors convaincu d'avoir localisé le lieu du naufrage de la Pérouse et organise avec les Britanniques une expédition d'exploration. À bord d'un vaisseau dénommé Research, il atteint finalement Vanikoro en septembre 1827 où il découvre plusieurs débris des bateaux de la Pérouse, débris qu'il offre au roi Charles X et au ministère de la Marine. À sa suite, l'Astrolabe, deuxième du nom, le vaisseau de Dumont-d'Urville, débarque au nom de la France à Vanikoro, fin février 1828, et récupère à son tour d'autres reliques. Dumont-d'Urville, désireux de laisser sur place un témoignage de son expédition, fait élever sur un petit récif un monument funéraire contenant des médailles et des pièces de monnaie surmontées d'une plaque de plomb portant l'inscription suivante « À la mémoire de la Pérouse et de ses compagnons, l'Astrolabe, 14 mars 1828. » À son retour en France, Dumont-d'Urville remet au ministère de la Marine et des colonies les précieux débris qui, associés aux artefacts rapportés précédemment par Peter Dillon, composent cette fameuse pyramide de la Pérouse du Louvre. On identifie sur la photographie à droite de l'écran deux cloches de bord, une casserole de haut en bas, une estrope de cap de mouton, c'est-à-dire une sorte de palan, un piton à œil, à savoir un clou se terminant par un anneau, une casserole oblongue en cuivre, un réa, un agrès, deux crocs à palan, et puis, en bas, le buste de la Pérouse, entouré de pierriers en bronze, c'est-à-dire des petits canons de marine qui sont disposés sur le socle. Les conservateurs du musée de marine entourent l'obélisque d'objets ethnographiques, envisagés comme des trophées des différentes expéditions et non comme des œuvres en soi. Un artefact témoigne toutefois du processus d'appropriation de certains débris par les populations océaniennes. C'est ce qu'explique le guide du musée. Hache ou herminette fabriquée par les naturels de Vanikoro avec le fer provenant du naufrage. Au total, la fonction de cette salle est de magnifier les expéditions maritimes du XVIIIe siècle pour encourager la reprise des voyages d'exploration dans les années 1830. La compétition internationale pour retrouver les reliques de la Pérouse ne s'arrête pas là. D'autres vestiges des navires de l'explorateur français seront découverts en 1959 par l'expédition d'Antonioz et de Taziev, et ils seront revendiqués par les Australiens. Les Australiens qui invoquent le passage du navigateur à Botany Bay en 1788, sa rencontre avec les officiers de la First Fleet, qui est un moment fondateur de la fabrique européenne de l'Australie. C'est pourquoi en 1988, pour le bicentenaire de la Pérouse, les Australiens décident d'inaugurer un musée La Pérouse à Sydney. Outre cette pyramide, le Louvre possède deux fragments de troncs d'arbres qui comportent ces mystérieuses inscriptions.
E-C-R-C-H-O-U-I-S-O-L-I-O-U-E-S-179. Et puis, un nom inconnu, Antoine Schaffner. On a longtemps considéré, dans la première moitié du XIXe siècle, que ces deux fragments, rapportés par des marins, provenaient de l'île Vanikoro et des débris du naufrage de la Pérouse. Le directeur du musée de marine, Léon Morel Facio, explique finalement en 1853 qu'il s'agissait d'une mauvaise attribution. Après avoir attentivement étudié les archives, il démontre que les deux noms appartiennent en fait aux marins de l'expédition d'Entrecasteaux, parti en 1791 à la recherche de la Pérouse. Le conservateur du Louvre complète ainsi le fragment. Recherche, qui est le nom du vaisseau d'Entrecasteaux, et Louis d'Olioule, le nom d'un de ses matelots, tandis qu'Antoine Schaffner était second maître charpentier à bord de la Recherche. Les vestiges de cette mission de secours de 1791-1794 contribuent à forger le mythe extraordinaire de l'expédition originelle dont le musée de marine conserve et célèbre la mémoire tout au long du siècle. L'amiral Paris, directeur du musée à la fin du XIXe siècle, y prend un soin tout particulier. Il faut dire que Paris fut en 1826 élève officier sur l'astrolabe de Dumont d'Urville, lancé à la recherche des vestiges de l'expédition La Pérouse. Et à la fin de sa vie, Paris est un des principaux acteurs des cérémonies du centenaire de la mort de La Pérouse, le 20 avril 1888 en Sorbonne. Le musée de marine accueille d'autres trophées. Des trophées évoquant les hauts faits de la marine française dans l'empire formel ou informel de la France. On y trouve la reproduction du canon La Consulaire, saisi lors de la prise d'Alger en 1830. Ce canon est exposé depuis 1833 dans la base navale de Brest, sous la forme d'une colonne surmontée d'un coq gaulois posant sa patte sur un globe terrestre. Benjamin Stora propose en 2021, dans son rapport pour la réconciliation des mémoires sur la colonisation et la guerre d'Algérie, de restituer à l'Algérie ce canon Baba Merzoug, en arabe, perche en feu. Car ce symbole de la gloire navale française illustre également l'ancienne puissance du dé d'Alger, qui a fait forger au XVIe siècle ce canon d'une portée extraordinaire de près de 5 km. Le musée met également en scène deux modèles réduits, documentant l'abattage de l'obélix du temple de Louxor en 1831 et de son érection en 1836 en présence de Louis-Philippe au centre de la place de la Concorde. L'ingénieur qui a réalisé ces deux exploits, Apollinaire Lebas, succède en fait la même année à Zédé à la tête du musée. L'obélix de Louxor devient alors le plus ancien monument de Paris, ville fondée bien après la construction de cette œuvre sous Ramsès II, au XIIIe siècle avant notre ère. Certains trophées exposés au Louvre nous rappellent des guerres aujourd'hui oubliées. Il en est ainsi de la cloche de Saint-Jean d'Ulloa, une cloche transpercée par un boulet et prélevée fin novembre 1838 lors de l'expédition française au Mexique dénommée en espagnol « Guerra de los Pasteles », guerre des pâtisseries, parce que c'est le pillage d'une pâtisserie française à Mexico qui a été l'un des prétextes pour déclencher le conflit. Cette cloche doit témoigner de la supériorité navale de la France. Il s'agit de montrer au public une des premières preuves matérielles de l'efficacité de la fameuse diplomatie de la canonnière, utilisée par le gouvernement français pour régler les différents commerciaux avec des pays moins puissants militairement, en Amérique latine, en Afrique ou en Asie. Enfin, le musée de marine s'enorgueillit de conserver les clés de la médina de Sfax. Celles-ci ont été confisquées comme butin par la marine française lors de l'occupation de la ville le 16 juillet 1881. Cette prise témoigne là encore d'un épisode violent, oblitéré par l'histoire officielle d'une colonisation française qui aurait été irénique en Tunisie. En fait, à la suite de la signature du traité du Bardo, qui instaure le protectorat de la France,
Les habitants de Sfax se soulèvent le 27 juin 1881, se soulèvent contre les Français qui bombardent la ville et tuent plusieurs centaines de Tunisiens. En avril 2017, le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, remet au président de la République tunisienne, Béji Caïd Essebsi, une réplique des clés conservées dans le Musée national de la Marine au Trocadéro. Au total, ces différentes reliques impériales confèrent un caractère véritablement global à ce musée du Louvre. Depuis l'origine, les conservateurs du musée de Marine entendent enseigner l'histoire aux visiteurs. Et pour ce faire, le gouvernement nomme officiellement un historiographe. Ce sera d'abord le journaliste et dramaturge Ferdinand Langlais, auquel succède Auguste Jalle, à l'origine archiviste du ministère de la Marine. Ils font débuter cette grande histoire navale à Louis XIV. Puis, quelques années plus tard, Léon Morel Facio, dans les années 1850, suggère de la faire remonter en amont aux époques de Louis XIII, Henri IV, François Ier, et même si possible jusqu'à l'Antiquité. Ces hauts faits maritimes de la monarchie française doivent d'abord être illustrés par des tableaux. C'est pourquoi le conservateur Pierre Zédé élabore en 1829 un grand projet de décoration des plafonds des quatre grandes salles du début du musée naval. Le musée accueillerait les visiteurs avec la représentation de la bataille de Navarin en 1827. Contemporaine de la fondation du musée, ce tableau devrait être réalisé par Horace Vernet, grand peintre militaire qui dirige alors l'Académie de France à Rome. Et puis l'expédition française en Espagne de 1823, au cours de laquelle le duc d'Angoulême, figure titulaire du musée, avait brillé, doit être peinte par Auguste Vinchon, Grand Prix de Rome en 1814. Une œuvre mettant en scène l'intervention du corps expéditionnaire français en Amérique aux côtés des révolutionnaires états-uniens est confiée au peintre d'histoire Auguste Couder. Et puis on sollicite le peintre néoclassique Méry-Joseph Blondel, auteur de plusieurs plafonds peints au Louvre, pour réaliser une allégorie de l'œuvre maritime de Louis XIV. Les archives du Louvre donnent à voir les détails les plus précis de ces différentes commandes. Et puis finalement, le musée abandonne ce programme pictural, avec la perspective de la création par Louis-Philippe du musée de l'histoire de France, inauguré à Versailles en 1837. En effet, le nouveau musée de l'histoire de France est dédié à toutes les gloires de la France et il doit donc désormais également accueillir les peintures maritimes historiques. En revanche, à partir de 1827, le musée de Marine commande une série de bustes en marbre blanc, grandeur nature, pour les disposer dans sa 12e salle. Ces bustes doivent relater l'histoire de la France dans le monde en honorant la glorieuse mémoire des plus célèbres marins. Au moment où la France relance ses grandes expéditions ultramarines, le musée célèbre les grands explorateurs. Il y a bien sûr le buste de La Pérouse, réalisé par François Rude, et le sculpteur Bozio exécute le buste de Bougainville, qui effectue le tour du monde à bord de la frégate La Boudeuse dans les années 1760. Cette salle glorifie surtout la vie des grands amiraux. Et lorsqu'on étudie la manière dont le musée de Marine présente ses marins dans son catalogue, on s'aperçoit que ces marins partagent presque tous une même expérience, celle du combat contre les barbaresques en Méditerranée. Ainsi, Abraham Duquesne, sculpté par Victor Terrasse, a bombardé Tripoli et Alger dans les années 1680. Claude de Forbin a aussi attaqué Alger. Son buste, exécuté par Louis Petitot, entre au Louvre alors que le musée est dirigé par un de ses descendants, le comte Auguste de Forbin. Il faut ajouter Jean Bart, Anne-Hilarion de Constantin et Victor d'Estrées qui se sont également illustrés dans la lutte contre les pirates et les corsaires maghrébins et ottomans et qui font également l'objet d'un buste. Pendant 2 siècles et demi, cette question des barbaresques requiert la marine française en Méditerranée. L'autre point commun de ces célèbres marins est d'avoir participé à la guerre d'indépendance des États-Unis. C'est le cas de Charles-Hector d'Estaing, immortalisé par Victor Huguenin,
de Charles-Louis de Couédic, sculpté par Louis-Victoire Bougron, et du comte de La Motte-Piquet, dont le buste est exécuté par Brion. La marine française se flatte de son rôle décisif dans la victoire des rebelles américains contre la Royal Navy britannique, notamment au cours de la fameuse bataille de la baie de Chesapeake en 1781. Alors ces sculptures nous racontent aussi les projets coloniaux inaboutis, les échecs oubliés, les possessions ultramarines perdues, et donc évoquent ce qu'aurait pu être l'Empire français. Par exemple, la figure de René Duguay-Trouin, dont le buste est sculpté par Flatters, rappelle la présence française en Amérique du Sud. En effet, René Duguay-Trouin profite de la guerre de succession d'Espagne pour s'emparer en 1711 de Rio de Janeiro, que ses hommes pillent sans vergogne. Cette expédition corsaire est sans lendemain, mais elle rappelle au public la tentative avortée de colonisation française au Brésil, cette fameuse France Antarctique, fondée par des colons français sur une île de la baie de Guanabara, futur Rio de Janeiro, en 1555, avant de disparaître dès 1560 sous les coups de boutoirs portugais. Quant à Pierre-André de Suffrène, immortalisé par le sculpteur Brion, il incarne avec Duplex le rêve de l'Inde perdue. Suffrène remporte en effet sur les Britanniques la bataille de Gondelour, sur la côte de Coromandel, en 1782, et ravive par là même les espoirs français en Asie du Sud. Enfin, trois grands inventeurs se feraient une place dans cette salle du prestigieux musée. Louis-Joseph Doma réalise le buste de Jacques-Noël Sané. Sané, célèbre ingénieur des constructions navales, surnommé à l'époque le Vauban de la marine, Sané qui a conçu une grande partie des vaisseaux de ligne français dans les années 1780-1810. De manière inattendue, les visiteurs peuvent aussi faire la rencontre de Denis Papin. Denis Papin, l'inventeur français de la machine à vapeur, devenu professeur à l'université allemande de Marbourg. Le musée de la marine lui adjoint le buste de Robert Fulton, que vous pouvez voir à l'écran, réalisé par Jean-Antoine Houdon. Ce célèbre mécanicien états-unien est en effet considéré comme un des premiers inventeurs de la navigation à la vapeur au tout début du XIXe siècle. Cette question de la navigation à la vapeur est très importante pour les dirigeants du musée. C'est un sujet fondamental, un sujet très contemporain qui structure le développement de l'institution. Ainsi, en 1887, l'amiral Paris obtient une nouvelle salle dans l'aile de la colonnade pour y exposer des chaudières et des machines à vapeur. Et la dernière salle du musée, la 13e, accueille une véritable locomotive états-unienne offerte au Louvre par Louis-Philippe en 1846. Comme un discret clin d'œil, une petite locomotive à vapeur a été sculptée sur le faux œil de bœuf sur le côté gauche du pavillon Molien que vous pouvez voir à l'écran. Cette locomotive du Louvre a été totalement oubliée dans la seconde moitié du XXe siècle lorsqu'en 1981, l'historienne Madeleine Reberioux propose en vain d'exposer dans la nef du futur musée d'Orsay une locomotive à vapeur. Les bustes doivent donc manifester, chacun à leur manière, l'extraordinaire rayonnement militaire, scientifique, commercial de la France dans le monde. Ces bustes possèdent aussi un autre point commun. Ils ont été créés par des artistes vivants, alors qu'en principe, le Louvre accueille exclusivement les œuvres d'artistes disparus. Vous le savez, les sculptures contemporaines acquises par la couronne ou par l'État doivent en effet être conservées au musée du Luxembourg, premier musée d'art contemporain fondé en 1818. Henri Barbet de Jouy, conservateur au Louvre, explique que le musée de marine bénéficie d'une dérogation. Une dérogation exceptionnelle, puisqu'il fallait nécessairement adresser des commandes à des sculpteurs contemporains de la fin des années 1820 et du début des années 1830 pour traiter de personnages de l'histoire récente, du XVIIIe ou du début du XIXe siècle.
Le musée de marine ne se consacre pas seulement à l'histoire nationale. Il revendique son caractère mondial à travers la constitution progressive de la plus importante collection de maquettes de bateaux provenant des quatre coins de la planète. Des modèles réduits polynésiens, japonais, chinois, malais, indiens, arabes, turcs, égyptiens. Dès 1841, l'ingénieur de construction maritime Apollinaire Lebas commande 11 maquettes de bateaux extra-européens, dont 8 pirogues du Pacifique. Ces modèles sont très en vogue l'année même où Abel du Petit Thouars s'approprie les Marquises, puis Tahiti 2 ans après, en 1843. Le développement de cette collection s'interrompt ensuite pendant presque 30 ans, avant que l'amiral Paris, directeur du musée entre 1871 et 1893, la relance. L'amiral Paris s'inspire des dessins qu'il a lui-même réalisés au cours de ses expéditions successives sur l'Astrolabe, la Favorite et l'Artémise dans les années 1820. Le jeune Paris souhaitait, en ce début de XIXe siècle, immortaliser la forme de ces embarcations des peuples sauvages, selon son expression, des bateaux dont il pressentait la proche disparition. De même, à la fin du XIXe siècle, Paris l'Ancien a bien conscience que la vapeur menace désormais également les bateaux à voile européens, dont il veut garder la trace. C'est pourquoi il rassemble près de 400 modèles d'embarcations traditionnelles d'Europe, mais surtout d'Asie et d'Océanie. Un visiteur du musée au tournant du siècle écrit « C'est une magnifique collection de pirogues de toute grandeur et de tout modèle. Depuis l'informe catamaran, catamaran qui est un mot d'origine tamoule, catamaran de la côte Coromandel jusqu'au pro-volant des îles Carolines qui, au dire des marins, réunit ce qu'il y a de plus parfait dans les fastes de la navigation chez les sauvages. Pirogues à balancier de Ceylan, pirogues de Vanikoro, de triste mémoire, l'auteur fait référence ici au naufrage de la Pérouse, pirogues à double balancier de la Nouvelle-Calédonie, double pirogue de Tonga Tabou, forment une flottille exotique qui rappelle des terres mystérieuses et lointaines, dont les peuplades à peu près éteintes conservent avec jalousie leur ancien rite et chantent des mélopées millénaires sous le ciel constellé du Pacifique. Alors d'où viennent ces nombreuses maquettes ? Certains modèles proviennent des différentes expositions universelles organisées à Paris depuis la fin des années 1850. Mais la majeure partie de ces modèles réduits est produite par le Louvre lui-même, ou plus précisément par son atelier de fabrication, d'où sortent 142 modèles de bateaux extra-européens dans les années 1870. Edmond Paris lui-même fabrique et grée des maquettes avec son propre tour à bois, faisant preuve d'un dévouement absolu à la cause muséale, à laquelle il consacre l'intégralité de sa solde de conservateur pour acheter des outils et des vitrines. Le vieil amiral est envié par les directeurs des autres musées du Louvre, car il se procure du bois d'excellente qualité et de bon marché dans les arsenaux de province pour fabriquer dans son atelier, dit-on, les plus belles vitrines du Louvre. Parmi ces nombreux modèles extra-européens figure ce Donis à balancier, de la côte de Coromandel, dont le plan est levé en 1838 par l'amiral Paris lui-même, alors qu'il navigue sur l'Artémise. La maquette de ce caboteur indien est ensuite réalisée en 1873, avec du bois cousu et des fibres végétales, par le maquettiste François-Yves Coidoux. Edmond Paris explique en ces termes l'importance de ce balancier, géniale invention extra-européenne. Entre autres objets curieux montrés par la collection des pirogues, il y a lieu de remarquer l'usage général du balancier, dont on n'a jamais vu la moindre trace en Europe, et qui cependant s'étend de la côte de Malabar jusqu'aux îles les plus orientales du Grand Océan. Cet artifice ingénieux, dû à quelques Archimèdes sauvages, a permis de déployer de vastes voiles sur des pirogues étroites, qui sans lui ne se tiendraient pas droites sur l'eau, et qui, acquérant ainsi une stabilité suffisante, étonnèrent par leur marche les premiers navigateurs qui les appelèrent pro-volants.
L'amiral Paris développe ici très tôt une étonnante intuition. Car nous savons aujourd'hui que ce sont en effet ces pirogues à balancier qui, à partir de la fin du premier millénaire de notre ère, ont permis aux Polynésiens d'explorer méthodiquement les milliers d'îles de l'océan Pacifique, dispersées sur plus d'un tiers de la surface du globe. Ce sont ces bateaux qui ont permis aux Polynésiens de débarquer sur les côtes sud-ouest du continent américain bien avant Colomb et de découvrir au XIIIe siècle la Nouvelle-Zélande. Selon Edmond Paris, l'histoire mondiale de la navigation éclaire la trajectoire navale de l'Europe, si avancée maintenant, mais qui est passée par les mêmes périodes maritimes que les peuples les moins civilisés, écrit-il. Adoptant un point de vue spatio-temporel à la fois évolutionniste et diffusionniste, il affirme que l'on peut retrouver les bateaux européens de l'âge de pierre dans l'océan Pacifique sillonné par des pirogues, creusé dans les troncs d'arbres par le feu et façonné par la pierre. Quant aux triremes et aux bateaux à rames de la Malaisie du XIXe siècle, ils s'apparenteraient aux vénérables galères de l'Antiquité méditerranéenne. Les grandes jonques chinoises rappelleraient les caravelles de la fin du Moyen-Âge occidental, tandis que les excellents navires arabes ont inspiré la science européenne de la navigation à l'ère moderne. On est donc en droit d'admettre, écrit-il, que l'on peut presque reconstituer l'histoire des procédés primitifs de la navigation et en rétablir les périodes probables en examinant par ordre géographique et de l'est à l'ouest ce qui, selon toute probabilité, s'est passé chez nous suivant un ordre chronologique. Au fond, l'amiral Paris, avec ses petites maquettes, a ainsi patiemment et méticuleusement inventé une nouvelle science, l'ethnographie nautique. Alors, quelle autre œuvre aurait pu être exposée au musée de marine? Cette question, nous nous la sommes tous posée en visitant tel ou tel musée, telle ou telle collection. Et s'agissant du musée de marine, l'historien Camille Beaulieu nous facilite les choses en y répondant avec bonheur en 1906. On pourra s'étonner, écrit-il, de ne pas rencontrer de vaisseaux antérieurs au siècle de Louis XIV dans les galeries du musée de marine. Cette lacune énorme est impardonnable. Il existe, perdu au milieu de navires modernes, une trière du 5e siècle avant Jésus-Christ, près de laquelle se trouve un autre bâtiment dont l'étiquette porte ces mots, la galère Argot, sans plus d'explication. Alors cet historien Camille Beaulieu propose, sans remonter à l'Arche de Noé, d'intégrer aux collections différents navires. La trirème de Thémistocle, la Salamine, victorieuse des Perses. Il veut également ajouter le navire doré de Cléopâtre, près de Memphis, qui permettrait, dit-il, de faire le lien avec le département d'égyptologie. L'auteur suggère en outre d'inclure les Vikings. Dans ce parcours du musée de marine, nous serions, écrit-il, émerveillés de la flottille des Northmen remontant la Seine à la conquête de Lutèce. Il propose en fait de compléter l'histoire mondiale de la marine en choisissant un navire emblématique pour chaque siècle. Le Bucentaure, fameuse galère vénitienne extrêmement haute et somptueuse, pourrait symboliser le XIVe siècle. La Santa Maria, la caravelle de Christophe Colomb, incarnerait le XVe siècle. Et enfin, le visiteur pourrait méditer sur la vanité des prétentions impériales en contemplant ce qui constituerait le clou du spectacle concernant le XVIe siècle, l'invincible armada de Philippe II d'Espagne. Il faudrait montrer, dit-il, l'extraordinaire euphorie de son départ, l'immense flotte levant l'ancre au bruit des mousqueteries et des fanfares et filant toute voile dehors à la conquête de l'Angleterre. Camille Beaulieu imagine même, à côté de cette maquette, une autre vitrine qui accueillerait la flotte espagnole, cette fois totalement disloquée par la tempête. Deux vitrines, selon lui, qui pourraient donner aux visiteurs une grande leçon d'histoire. Pour l'auteur, ce musée imaginaire s'avère beaucoup plus intéressant que le musée existant. Beaulieu écrit « À notre avis, la partie inexistante du musée deviendrait donc la plus utile,
la plus artistique et la plus morale, puisque nous y puiserions jusqu'à des leçons d'humilité. On peut penser qu'il a été en partie entendu, puisque 3 ans après l'apparition de son livre sur le musée de marine, le Louvre commande en 1910 ce modèle réduit de la Santa Maria pour compléter sa collection. Le musée de marine fait l'objet de critiques plus sérieuses encore de la part des conservateurs qui, dès 1871, tentent d'exfiltrer ses collections hors du palais du Louvre. Profitant de la mort de Léon Morel Facio, les responsables des autres musées du Louvre, en quête de nouvelles salles d'exposition, demandent au ministère de l'Instruction publique de restituer la totalité des collections au ministère de la Marine, qui seul possède les moyens de développer et de valoriser ses collections. Les adversaires du musée de marine avancent que c'est le seul établissement du Louvre à être dirigé par un militaire et que les musées similaires en province dépendent du ministère de la Marine. Derrière cette initiative se trouve le nouveau conservateur des antiques du Louvre, le très influent philosophe Félix Ravaisson-Mollien, représenté ici. Félix Ravaisson-Mollien qui déclare que le musée de marine occupe indûment des locaux qui devraient être consacrés exclusivement aux beaux-arts et à l'archéologie. La revendication de Ravaisson-Mollien est proposée à la Chambre des députés, mais elle est rejetée en raison du coût élevé du déménagement au ministère de la Marine. Aux conservateurs souhaitant exclure les arts utiles de ce musée des beaux-arts et d'archéologie, Edmond Paris répond vigoureusement que ces maquettes sont des œuvres d'art à part entière. Des œuvres d'art qui seules peuvent conserver la mémoire des grands navires en bois voués inéluctablement à la disparition. À la mort de l'amiral en 1893, les contempteurs du musée de marine réitèrent leur campagne en faveur du déménagement, cette fois aux Invalides, auprès des collections d'artillerie, en invoquant le risque d'incendie que comportent les travaux au sein de l'atelier du musée de marine. Cette campagne est couronnée par la parution en 1899 d'un article du journal des débats politiques et littéraires qui fait grand bruit. Il y est écrit « Le musée de marine n'a rien d'artistique. On y voit surtout un amas de modèles très intéressants pour les amateurs d'archéologie navale, mais qui seraient mieux à leur place dans un musée militaire ou industriel. Quelle peinture ! C'est à faire blêmir les amis du Louvre. On y trouve un souvenir d'une conquête récente, ce sont les clés de Sfax. Elles valent surtout par l'intention. Si un malfaiteur les enlevait, il ne tirerait pas grand parti de son larcin et il serait très aisé aux conservateurs de remplacer à peu de frais ces précieuses reliques. Nous sommes là dans la salle de l'artillerie. Une vitrine est remplie de platines d'anciens canons. C'est très artistique. Une autre en sert précieusement la gamme complète des modèles en bois de canon qu'un grand industriel offre à la clientèle étrangère. C'est un reliquat de l'exposition de 1889. Une telle réclame vaut au moins la 4e page des journaux. En vérité, tout cela est d'un intérêt relatif et pourrait émigrer très bien du côté des Invalides. Dès lors, l'affaire est entendue. Et lorsque l'écrivain Jean d'Estrême prend ses fonctions de conservateur du musée de marine en décembre 1901, le directeur des Beaux-Arts lui précise crûment « On vous a nommé pour que vous nous débarrassiez du musée de marine ». Se succèdent alors plusieurs projets de transfert du musée aux Invalides. Et parallèlement, le budget du musée de marine est de plus en plus contraint. L'institution souffre alors d'un manque flagrant de ressources humaines. Il n'y a plus 10 modélistes, mais seulement 2 ouvriers qui ne peuvent même plus, sans l'aide d'un 3e homme, ouvrir les grandes vitrines du musée où la poussière s'accumule. Et aussi où les gréements se rompent à cause des tremblements provoqués par les voitures circulant rue de Rivoli. En 1919, le musée est officiellement rattaché au ministère de la Marine et en 1935, la direction des Beaux-Arts propose de déménager le musée au palais de Chaillot. Le musée de Marine quitte finalement le Louvre en 1943, alors que ses salles sont parmi les plus fréquentées du palais. Certes, à l'origine, le musée n'est pas vraiment accessible au public.
Entre 1830 et 1837, le musée naval ne peut être visité que sur lettre d'invitation. Puis, entre 1837 et 1843, il est ouvert au public seulement le dimanche. Ensuite, le musée de marine ouvre tous les jours de la semaine, excepté le lundi, entre 10h et 16h. C'est alors le musée du Louvre le plus accessible aux visiteurs. Dès 1853, son directeur, Léon Morel Facio, se félicite du succès des salles de marine auprès des nouvelles générations. « Que voyons-nous en effet ? » crie-t-il. « La marine, appréciée par l'opinion, réhabilitée et honorée, la jeunesse de toute classe de la société se précipitant avec ardeur vers cette carrière et remplissant ses écoles, en toute justice, le musée naval peut bien réclamer une petite part dans ce mouvement des idées en faveur de la marine. Dans tous les cas, il n'a pas nui à la populariser, car jamais musée n'a joui d'une faveur aussi constante auprès du public curieux ou avide de s'instruire qui s'y porte incessamment. » Son successeur, l'amiral Paris, confirme quelques décennies plus tard que son musée est rempli de public à ne pouvoir remuer les dimanches et les jeudis. Alors nous avons cherché en vain une gravure ou une photographie du musée de marine qui représente cette présence du public. Toutefois, à l'époque de l'amiral Paris, l'illustrateur Albert Robida imagine dans un roman d'anticipation intitulé « Le XXe siècle », publié en 1883, il imagine le développement du tourisme de masse au sein du musée, dont il a observé les prémices dans les couloirs du Louvre au début des années 1880. Il dessine ici un tramway électrique qui permettrait, en 1952, de traverser sans effort l'ensemble des galeries d'un musée surpeuplé. Il faut dire qu'à cette époque, la question de la circulation des visiteurs obsède, à juste titre, les conservateurs du Louvre. Robida imagine même une sorte d'audioguide avant l'heure. Je cite « On n'a pas besoin de livrer, car en passant devant chaque tableau, le tramway presse un bouton et instantanément un phonographe donne le nom du peintre, le titre du tableau, ainsi qu'une courte mais substantielle notice. » Alors, cette iconographie fait défaut, mais plusieurs témoignages affirment que le musée de marine est l'établissement le plus populaire du Louvre, en dépit de sa localisation au deuxième étage, au débouché d'un escalier très étroit. En 1894, Charles Galbrun, auteur de plusieurs guides du musée, le distingue parmi tous les musées du palais. « Le public du musée du Louvre, écrit-il, vous le connaissez. Il a sa physionomie un peu différente, toutefois suivant les jours. Le dimanche, quelques musées jouissent plus particulièrement des faveurs du public. Ce sont les salles des peintures, la galerie d'Apollon, surtout depuis l'installation des diamants de la couronne, et puis les salles du musée de marine. » Les autres galeries sont moins visitées. Le jeudi est le jour des écoliers en vacances. C'est le musée de marine qui jouit de leur préférence. Les autres jours seraient calmes si, le mercredi et le samedi tout particulièrement, l'agence Cook ne jetait pas dans les galeries ses convois de touristes. Gaston Darboux, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, évoque encore en 1911 cette excellente réputation du musée de marine. Le musée de marine qui est, paraît-il, le plus visité de tous ceux qui sont réunis dans ce palais, écrit-il en toute objectivité. En tous les cas, le musée de marine semble être le favori des enfants. Nous disposons de plusieurs témoignages d'adultes se remémorant leurs visites régulières, snobant même les autres collections du Louvre. En 1893, un auteur anonyme se souvient avec émotion dans le journal des débats. Ce n'est pas sans attendrissement que je me souviens du temps de mon enfance où mes bonnes notes au lycée étaient récompensées par une visite au musée de marine, au Louvre. Le jeudi ou le dimanche, passant avec mépris devant l'entrée des galeries de peinture, je grimpais allègrement les deux étages et le raide escalier menant au but désiré par mes rêves d'écolier. Là, dans de longues salles un peu basses, s'étalaient et s'étalent encore les objets les plus attirants pour une âme d'enfant. Il me semblait me trouver dans un immense magasin de jouets.
Mais l'exposition qui donnait la plus large carrière à mon imagination de 10 ans était celle des pirogues. Je rêvais au long voyage que font mademoiselle Lily et son cousin Lucien sur les mers lointaines. L'auteur fait ici référence au « Voyage et découverte de mademoiselle Lily », un grand classique de l'édition scolaire qui a fait rêver plusieurs générations d'écoliers à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Le musée de marine attirerait environ un tiers des visiteurs du Louvre. C'est ce qu'affirme l'artiste Sabine Méa, chroniqueuse au Journal des Arts. Sabine Méa se félicite, en exagérant sans doute un peu, mais elle se félicite que le musée séduit les braves paysans, les bonnes mères très simples, les jeunes filles peu instruites, les jeunes gens et les enfants. Sabine Méa voit dans le musée de marine le paradigme du musée démocratique, qui accueille les visiteuses et les visiteurs qui, je cite, « ne connaissent ni Apollon ni Diane, ni toutes les divinités de marbre du rez-de-chaussée, qui ne saisissent pas la différence qui existe entre un cristal taillé et un verre de 4 sous, mais qui contemplent longtemps, avec attendrissement, un bout de câble goudronné, une poulie d'acier, une lanterne de phare, un beau vaisseau qui semble avancer vers eux sous toutes ses voiles déployées en forme d'aile, ou qui regarde quelquefois, hélas, d'un air bien triste les débris d'un naufrage. » Cette relative démocratisation du musée résulte ici d'un effort d'innovation pédagogique finement souligné par la conservatrice Géraldine Baron. Géraldine Baron a insisté récemment sur l'omniprésence physique de l'amiral Paris, toujours disponible pour répondre aux questions du public dans les couloirs du musée. Le vénérable directeur du musée de marine incarne une époque révolue de l'histoire de la marine avec sa manche gauche repliée sur le moignon de son bras. Les visiteurs ne peuvent pas deviner que ce personnage romanesque a perdu son bras, non pas au cours d'un violent abordage, mais à la suite d'un banal accident sur la terre ferme dans une manufacture à Pondichéry. L'amiral Paris prend soin en outre de rédiger des notices et des cartels les plus précis possibles, placés à côté de chaque objet. Il s'agit d'une innovation décisive à une époque où les cartels font défaut dans la plupart des musées. Pour l'amiral, cette nouvelle scénographie s'impose naturellement en raison des œuvres du musée. Il écrit en 1880 « Comment se figurer autrement la masse imposante d'un vaisseau lorsqu'on ne peut avoir la réalité sous les yeux ?» Les chiffres seuls peuvent la faire apprécier en exposant qu'il pèse 4 400 000 kg et déploie plus de 4000 mètres carrés de toile. En disant qu'il contient 1100 hommes avec 6 mois de vivres et 100 jours d'eau, eh bien, on se fait un peu une idée du nombre d'hommes et surtout d'ouvriers qui lisent ou parcourent ces légendes et de celui des pères ou des instituteurs qui trouvent à épuiser des réponses à la curiosité des enfants. Alors, outre ce succès populaire, le musée de marine peut en principe compter sur le soutien du sous-secrétariat d'État aux colonies. D'autant qu'en 1893, le pavillon de flore du Louvre accueille dans ses murs le nouveau ministère des colonies. Le prestigieux palais confère alors pour la première fois à cette administration centrale, qui était jusque-là un sous-secrétariat d'État, la dignité symbolique à laquelle elle prétendait depuis plusieurs années. L'administration coloniale souffrait en effet d'un déficit de reconnaissance, alors que les affaires importantes semblaient être traitées ailleurs, à l'intérieur pour l'Algérie et aux affaires étrangères pour le Maroc, la Tunisie et le Cambodge. Grâce au lobbying intensif du parti colonial à la Chambre, les colonies sont dotées de ce nouveau statut de ministère à part entière et d'un nouveau siège de plus de 6000 mètres carrés au Louvre. Le palais aurait pu alors devenir le cœur battant de l'empire colonial français. C'était sans compter l'opposition du musée du Louvre lui-même et du ministère des Beaux-Arts, qui s'opposent d'emblée à ce déménagement et obtiennent finalement le départ des colonies en 1905, en même temps que celui des collections ethnographiques du Louvre. Tout au long du XIXe siècle,
Le musée de Marine a donc cristallisé la controverse entre adeptes des beaux-arts et promoteurs des arts utiles. Loin d'être une anomalie de la muséographie du XIXe siècle, le musée de Marine incarne l'extraordinaire hybridité qui caractérise alors le Louvre, où s'entremêlent les arts, l'archéologie, les sciences, les techniques et la propagande politique. Car au-delà de leur apparente hétérogénéité, tous les artefacts exposés doivent éveiller les vocations maritimes au sein des nouvelles générations. Cette dimension utilitaire, qui associe en un même lieu les instruments du hard power et du soft power, en fait sans doute le premier musée de l'histoire du rayonnement de la France dans le monde. Cette dimension pratique explique aussi le caractère révolutionnaire de ce musée, qui bénéficie de dispositifs pédagogiques nouveaux, on l'a vu, et dont une grande partie des œuvres exposées sont fabriquées in situ au Louvre même. Je vous remercie.